apparemment n'aura rien à voir avec Trump, mais qui en fait a beaucoup à voir, pas tellement avec Trump, mais avec la façon dont se déroule l'élection américaine 2016. D'ailleurs, c'est un sujet qui a aussi à voir avec la façon dont s'est déroulé le cycle électoral 2017 en France. Ce sujet, c'est ce que j'ai appelé l'épuisement des ressources humaines. Vous allez voir, à la fin de l'exposé, je vais vous expliquer pourquoi je trouve qu'il y a une connexion avec ce qui se passe en politique aujourd'hui. Qu'est-ce que j'appelle d'abord l'épuisement des ressources humaines? Bon, vous avez des gens qui réfléchissent sur l'épuisement des ressources par le système actuel. On a un système qui est fondé sur la croissance indéfinie. Tout le monde sait qu'une croissance indéfinie dans un environnement fini, ça ne peut pas fonctionner éternellement. Donc effectivement, les gens regardent la façon dont le système est en train de taper dans les ressources naturelles de toutes sortes, de déstabiliser les écosystèmes, etc., pour voir à quel moment l'espèce humaine va en quelque sorte buter sur les limites de l'écosphère. Ok. Ça, tout le monde regarde. Mais il y a un autre phénomène qui se produit et qui est beaucoup moins vu, alors qu'à mon avis, il est très important et il explique beaucoup de choses dans le malaise qu'éprouvent beaucoup de gens aujourd'hui par rapport à la façon dont les choses se passent, de manière générale, une sorte de malaise diffus. Ce phénomène, donc, c'est l'épuisement des ressources humaines. C'est-à-dire que ce système ne tape pas seulement dans les ressources de la Terre, il n'est pas seulement en train de taper dans les ressources de pétrole, il n'est pas seulement en train de taper dans les ressources de charbon, de potasse, tout ce que vous voudrez. Il est aussi en train de taper là-dedans, dans nos têtes. Il est en train de taper dans nos ressources de temps de cerveau disponible, si vous voulez. Et c'est ces dégâts-là dont je pense qu'il faut parler quand même à un moment, si on veut comprendre en profondeur ce qui se passe autour de nous. Pour l'évoquer, pour essayer de bien faire comprendre ce que je veux dire, je voudrais recourir à une métaphore. Une métaphore qui m'a été suggérée par un spectacle auquel j'ai assisté il y a quelques années. J'ai eu l'occasion, pour des raisons professionnelles, de voir fonctionner un entrepôt logistique. Et dans cet entrepôt logistique était déployée une technique de gestion des ressources humaines qui s'appelle le voice picking. Qu'est-ce que c'est le voice picking? C'est simple, vous prenez une intelligence artificielle et vous donnez aux opérateurs un casque à se mettre sur les oreilles, un casque audio. L'intelligence artificielle va leur dire dans le casque audio ce qu'ils doivent faire. Elle va leur dire, tu dois aller devant le rayon B4, avec ton chariot, tu vas prendre un lot X3, tu vas amener le lot X3 jusqu'au rayon C2. Donc, continuez tout droit sur 20 mètres. Tu peux même avoir une balise qui localise le gars, comme ça, là. L'intelligence artificielle, quand même, le guider en temps réel, quoi. Maintenant, tournez à gauche. Maintenant, tournez à droite, comme avec un GPS, quoi. Et puis, déposer le manger, etc. Ça donne de très bons résultats en terrain. Ça donne vraiment des mecs se trompent en terrain. Parce qu'évidemment, les mecs se trompent pratiquement plus, parce qu'ils ont entendu ce que disait l'intelligence artificielle. Ils ont mal entendu ce que disait l'intelligence artificielle. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on les met en concurrence, j'ai bien compris, pour que on sache qui va toucher les plus de rendement. On leur dit maintenant, vous pouvez régler vous-même la vitesse de l'intelligence artificielle. Et à la fin, tu te retrouves avec des entrepôts logistiques, tu as des mecs qui courent dans tous les coins comme des lapins Duracell pour essayer d'avoir des primes avec un casque sur la tête et une voix qui leur dit allez, en B4, prendre le chariot numéro 3, l'emmener jusqu'au C2. En courant partout, comme ça. Ok, c'est ce qu'on appelle le progrès, moi je dis. Ok, c'est ce qu'on appelle le problème. Moi, je reviens, si on peut dire. Le seul problème, en fait, du voice picking, mais c'est pas un problème mineur, c'est qu'on peut quand même se demander dans quel état cérébral ça met les mecs. Alors, il paraît souvent que les opérateurs achètent le truc. Parce que ça les met en état de flow. Effectivement, ils n'ont pas besoin de réfléchir.
L'intelligence artificielle réfléchit à leur place. Et il paraît qu'il y a même des mecs qui trouvent ça agréable d'une certaine façon. Bon voilà, 35 heures par semaine pour dégager du cash, ils font un boulot comme ça. Au moins ils n'ont pas besoin de réfléchir, c'est sûr. Il y a même un côté sportif, il paraît. Il y a des types, je sais, qui ça devient un jeu. Essayer de suivre la vitesse qu'ils mettent sur l'intelligence artificielle en la réduisant à la vitesse maximale. Enfin, quand même. Même s'ils s'en rendent pas compte, à la sortie, les dégâts neurologiques, ils doivent être là. Je pense que c'est des mecs, qu'on le veuille ou non, quelque part, au moins pendant leur temps de travail. Et probablement par contre-coup, un peu même au-delà de leur temps de travail, et ils sont zombifiés. C'est-à-dire, ils sont animés par une voix qui leur est extérieure. Ce qui veut dire que leur cerveau n'émet plus, quoi, ne vit plus d'une certaine façon. On a remplacé leur pensée dans leur tête par un programme. La pensée et un programme, c'est pas pareil. La pensée, c'est dialectique. La pensée est un combat contre elle-même. Un programme, c'est cybernétique, c'est une suite d'instructions. Et les mecs, ils ont pris l'habitude de fonctionner comme ça. Alors, moi, quand j'ai vu ça, quand j'ai regardé cet entrepôt, je me suis dit, on tient quelque chose. J'aime bien, comme ça, de temps en temps, si vous voulez, m'arrêter et juste regarder ce que je vois. Sans le surinterpréter, sans... Juste, je regarde. Je dis, qu'est-ce que je vois? Je vois des mecs qui s'auto-zombifient. Dans la joie et la bonne humeur. Et quand j'y réfléchis bien, la seule raison pour laquelle je me rends compte qu'ils s'auto-zombifient, c'est qu'ils ont un casque sur les oreilles. Si la voix de l'intelligence artificielle n'était pas dans leur casque, mais directement dans leur tête, je ne me rendrais pas compte qu'ils se sont auto-zombifiés. Puis j'ai réfléchi à mes collègues de travail, il y a des gens donc qui ne sont pas des opérateurs dans les entrepôts logistiques, mais qui sont chargés de dessiner les entrepôts logistiques. J'ai réfléchi à mon propre cas, et je me suis dit finalement, est-ce que moi-même, je ne suis pas auto-zombifié dans mon boulot? Parce que, on dit, ouais, j'ai un boulot intellectuel, ouais, si on veut, j'applique une méthode. Cette méthode, je l'ai dans la tête, quoi, c'est une méthode qui dit comment on calcule l'optimisation des temps de traitement à l'intérieur d'un atelier. Quand je vais devoir calculer le rendement d'un investissement, pareil, je vais suivre une méthode qui s'appelle l'actualisation des flux de trésorerie. En fait, je pense pas, je n'ai fait qu'appliquer une méthode, je déroule un programme. Et même mon patron, quand il va décider de faire ou de ne pas faire des investissements, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appliquer la méthode du Boston Consulting Group ou un truc comme ça. Il va faire une stratégique, voilà, il va faire sa belle matrice, il va être content. Aussi, il applique un programme, on l'appelle un décideur. Un decision maker, faiseur de décision, comme disent les Américains. Mais il ne fait rien du tout. Il applique le programme. Et donc finalement, en regardant ces mecs dans cet atelier logistique et en réfléchissant à toute la façon dont les choses fonctionnaient au-dessus d'eux, autour d'eux, je me suis dit, voilà, là je vais. J'ai une image symbolique, emblématique du fonctionnement de notre société, l'auto-zombification des gens, dans la joie et la bonne humeur, parce qu'ils sont rentrés dans un système où il faut être finalement toujours plus performant. Parce que c'est la logique du système, c'est un système de croissance indéfinie, et personne ne peut arrêter finalement cette logique, puisqu'elle se crée spontanément par le jeu de la concurrence. Ok. Quand je suis arrivé là, dans ma réflexion, je me suis dit, mais comment ça se fait que les gens l'acceptent?
Ok, les opérateurs, là, dans ces entrepôts logistiques, ils ont besoin de la prime. Est-ce que c'est leur seule motivation? On me dit qu'il y en a qui trouvent ça bien, mais qu'est-ce qu'ils trouvent bien dans le fait comme ça d'être zombifiés? Et mes collègues, même moi parfois, pourquoi on trouve ça bien finalement sur notre petit train-train d'appliquer nos méthodes? Pourquoi tous on est content comme ça de faire tourner une machine, alors qu'objectivement le sens de la machine ne saute pas aux yeux? Enfin je veux dire, si je devais résumer en quelques phrases la façon dont fonctionne notre monde, le système dans lequel on est inscrit, je serais obligé de dire en gros, le concept est simple, on va se mettre le maximum de pression, comme ça on va produire le maximum de trucs qui servent à rien, qui nous permettront de les consommer le plus vite possible pour pas penser, et c'est pas grave parce que comme on se sera mis la pression, on arrivera à les produire, et au bout de quelques décennies à ce rythme-là, on sera parvenu à saccager notre planète. Ouais, bingo. Je veux dire, pour qui voit les choses objectivement, en prenant un peu de recul, on peut pas dire que la cohérence du truc saute aux yeux. C'est-à-dire, c'est peut-être rationnel au sens de cohérent, ouais, d'accord, en soi, à l'intérieur de soi. Mais c'est pas raisonnable au sens où c'est pas cohérent avec la volonté naturelle d'un être vivant qui est de persister dans son être. Alors c'est quasiment un suicide là qui est en train de se dérouler. Notre espèce, en fait, se suicide. C'est ça qui est en train de se passer. Comment ça se fait qu'on l'accepte, et que même on est content? Regardez les petits lapins du Racel qui courent dans l'entrepôt logistique, là, tout content de s'être fait zombifier. Comment ça se fait? Alors, j'ai continué à réfléchir, et je me suis dit, eh bien en fait, quel est l'avantage d'être un zombie? Et progressivement, il se transforme. L'avantage d'être un zombie, on n'a plus peur de l'être humain, un être incapable d'empathie. Voilà, c'est tout ça, ces idées-là qui me trottaient dans la tête en regardant ce qui se passait autour de l'élection de Donald Trump. C'est pour ça que j'avais esquissé ce thème-là lors de cette conférence. Pour dire en gros sur le fond, si vous voulez, à un moment, il faut prendre conscience de la gravité de la situation, du caractère extraordinaire, plus qu'historique, méta-historique en quelque sorte, de la crise dans laquelle on est. C'est pas seulement la crise de l'humanité qui bute sur les limites de l'écosystème. C'est littéralement une époque apocalyptique parce que c'est le moment où l'humanité s'avoue à elle-même qu'elle est tellement terrifiée devant la réalité de sa condition, qu'à la limite, elle cherche inconsciemment à se suicider pour échapper à cette terreur. C'est une crise civilisationnelle et spirituelle énorme, gigantesque, jamais vue. Et c'est quelque part un peu dérisoire de croire que voilà la solution, ça va être un milliardaire qui sait faire des tweets rigolos. Ou des bandes de trolls qui peuvent faire parler Pépé de Frog et raconter des conneries sur Internet. Attendez les mecs, c'est pas ça la renaissance. C'est pas ça dont on a besoin. Ce dont on a besoin, c'est de quelque chose d'une autre nature. C'est quelque chose qui ne se décrète pas. C'est la renaissance spirituelle. Celle qui fait que à un certain moment on n'a plus envie d'être un zombie.